comme genre Foreman, je ferais mieux plutôt d'aller vendre des grilles viandes plutôt que de faire de la boxe. Oh là 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 là, vous avez vu le... Merde, ouais, j'ai perdu. Il y en a un plus méchant que les autres, vous voyez, il y en a un qui a des gros sourcils. Oh là, des gros sourcils, c'est ça veut dire qu'on est méchant ou qu'on présente Capital dans les années 90. Bon. C'est le syndrome de la grosse tête. C'est très répandu, ça, dans le milieu du vidéotest de jeux rétro. Petite blagounette, au passage. Ah, putain! Chaque fois, il meurt avec son gland, là. Tiens, mange. Donc, de nouveau, l'animation. Alors, je vous la laisse parce qu'on voit la petite culotte de Kaki, évidemment. Fait une voix sur Mega Drive, une voix digite qui ne crépite pas, qui ne grésille pas. Comme quoi, c'est possible, hein. Pella! Voilà. Contre ces canons de merde, donc là ça me fait chier. Voilà. Enfin, je crois que c'est cette musique là qui est sympa. Ou pas. Je sais plus. Sur cette Asterix, ma. X. Transformé en ninja. Kasumi Ninja. Romaine, hein, si je tenais l'imbécile qui a construit ses imbécilités de voix romaine, je lui ferais bouffer tous les pavés d'ici jusqu'en Calédonie. Mais bon. Ah ! Oh putain, je suis en train de me faire. Non, ça n'y arrivera pas, ça n'arrivera pas. Voilà. Are you ready for pain? Are you ready for suffering? If the answer is yes, then you're ready for Captain Freedom's workout. Yes, it's America's own Captain Freedom. That's the ticket. No pain, no gain. So, when you hear the tone, control your jealousy and leave your message. Tiens, meurs, pourriture communiste. Merde. C'est pas grave. Oh là 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 là, bienvenue les petits enfants. On va tester un jeu avec des clowns. Des cocktails, ça fait du bien. Par où ça passe, comme dirait l'autre. Tourne. Hein. N'oubliez pas les enfants, 5 fruits et légumes par jour. Les enfants et les adultes d'ailleurs. Les Gaulois. Pardon. On peut pas passer là. Non, le squelette est toujours là. File-moi un time over. Putain, c'est dégueulasse. Je suis sûr que vous, derrière votre écran, vous l'aviez vu, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il va crever. Ah, la chenille. La chenille qui redémarre. Allez, c'est parti. Voilà. Ça rôde. Voilà. Et voilà, la petite danse de Kirby. Let's get busy. Allez, c'est parti. Je suis à fond d'épinards, full of spinach. Voilà, on va attendre que le chat apparaisse, là. Voilà. Putain, il y en a un autre. Non! Putain, ça, vous voyez, c'est chiant, c'est quand on rebondit sur les murs. Enculé! Putain! Vas-y, dégage. J'avais un troll. Donc, pas celui qui dit que la SNES est supérieure à la Dreamcast, par exemple. Hein. Alors là, je croyais que je m'étais fait toucher, mais même pas. Alors là c'est du grand Mendes. Y a pas plus de fer dans les épinards que de beurre au cul, j'ai envie de dire. Le vieux maître de Ranma, le vicieux qui collectionne les petites culottes. Alors, on peut supposer que si c'est lui, il a enlevé Mary pour lui piquer sa petite culotte, on sait pas. À chevaucher à un chat. Un chaton, un bon gros chaton. Il ressemble un peu à chaton en plus. De faire ça. Hop, quish. Donc on sait pas trop s'il dit quish ou wish ou wish Lorraine, je sais pas trop. L'utilisation de plusieurs ninjas. Et j'ai déjà perdu, ça commence bien. Hop. Alors là, vous voyez, ce qui est bien... Merde, quel con. Ce qui est bien avec ce test, c'est que je trouve des passages secrets sans le faire exprès. Il faudra vraiment jouer avec les pouvoirs. Et après, vous aurez le... Putain, je vais y arriver, ouais. Vous aurez le niveau suivant. Steve. Merde. Bon, c'est bon. Hop là. Ah oui, on m'a demandé d'arrêter avec... d'essayer de parler anglais. Depuis le test de UN Squadron... Où j'ai failli quand même dire Area 88. Manger 5 fruits et légumes par jour. Et surtout des épinards parce qu'il y a beaucoup de fer dedans. Cyber-Lénine. Un
imbécile, quoi. Dans la série Je n'aime pas les beat'em all mais j'en teste tout le temps, je voudrais Doc McCoy. Ça, le niveau du mec bourré. Parce qu'on a, on a l'impression qu'on est bourré quand on joue à ce niveau-là. Alors le truc, ce serait d'y jouer vraiment bourré. Pour voir ce que ça fait, peut-être qu'on arrive à faire le 100%. Ninja. Celui qui tient la boutique qui est là, la boutique c'est un prêteur sur gage en fait, hein, c'est un comme un cash converter chez nous. On va y aller, on va aller voir s'il a pas des jeux rétro. Voilà, ah là c'est bon là. Là je suis plus suspendu à ces coucougnettes, ça devrait aller. Vous avez au tout début du jeu il y a un mot que je ne comprenais pas, que maintenant j'ai très bien compris. Au tout début du jeu il dit Tega. Eh ben ça veut dire Sega. Vous voyez ici ma mine d'or, elle tourne pas pour le moment, parce qu'elle est un petit peu loin des denrées. Donc je vais... la denrée, Glowed. Je vais... excusez-moi, ça me vient comme ça. Bon bah, pas de bonus, pas de pari. Hein. Pas de palais, pas de palais. Il y a deux musiques principales, plus quelques thèmes de boss. Oh, putain, je sais pas comment j'ai fait pour passer là. Je suis vraiment passé entre les dents. Qui va à droite ou à gauche selon comment, de quel côté Rayman est tourné. Non mais je suis sûr que vous l'avez tous fait celle-là. Alors moi c'est Hitbox et Xbox et Rayman et Rayman. Et voilà, c'est déjà fini. Un petit coup de tape cul et voilà. On va trouver notre Mickey qui est très heureux de faire ce petit mouvement-là. Une bombe gratuite. Oh là là, hé. Alors ça. Alors là, on pose la manette. Et je m'applaudis. Eh ben, c'était pas prévu. Pas mourir, faudra pas perdre de vie si on veut la garder. Hop. Non, et en plus, elle a un joli cul. Ce qui ne gâche rien. Merde. Oh, il y en a un qui a pété, c'est pas possible. Oui, parce qu'il y a les toilettes ici. Là je suis baisé, il est reparti dans l'autre sens. Ah non, c'est bon. Ah bah je l'ai battu. Putain, c'est la première fois que je le bats. Alors là je suis heureux. Je suis heureux parce que j'ai réussi à vous battre ce connard de Jackal. Hop, non. Voilà. Hop là, voilà.